Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, avant de vous présenter la table que vous pouvez voir devant moi, je voulais faire une petite parenthèse. Tout d'abord, pour remercier l'ensemble des gens qui se sont abonnés à la chaîne. Vraiment, un grand, grand merci à tous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'essaie de lire l'ensemble des commentaires que vous me laissez et d'y répondre. Surtout, donc, n'hésitez pas également à me laisser des remarques. Toute remarque est toujours intéressante et constructive, dans la mesure où, bien évidemment, elles sont faites de manière correcte. Je me ferai un plaisir d'essayer d'en tenir compte. Ensuite, ce que je voulais vous rappeler, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, et n'hésitez pas à le faire, à me laisser et à me faire part de vos projets à l'adresse mail suivante qui s'affiche en haut de l'écran, ybb.miniature au pluriel, @free.fr. Je vous rappelle que je suis donc inscrit au répertoire des métiers, que je dispose d'un numéro SIRET, et donc je me ferai un plaisir de vous établir un devis et de réaliser votre table de jeu. Pour ce qui est de la table que vous pouvez voir devant moi, c'est une table qui a été réalisée pour un client pour le jeu Briscard. Cette table, que les choses soient claires, elle a été entièrement réalisée par mes soins, mais vous pourrez la retrouver sur Internet puisque la demande qui m'a été faite était la suivante. On m'a demandé de reproduire cette table que vous pourrez retrouver donc sur différents sites sur Internet. Cette table donc, avant de la reproduire, bien évidemment, j'ai pris la peine de voir et d'essayer de retrouver par qui elle avait été réalisée. Et en fait, c'est une table qui avait été conçue directement pour la société. Alors, je ne sais pas si c'est par la société ou quelqu'un qui l'a fait pour eux, mais pour la société qui a réalisé donc le jeu Briscard. Ça s'appelle TGCM. Je vous invite à aller sur leur site, hein. Vous pourrez également retrouver les règles du jeu en téléchargement gratuit. Donc, cette table a été réalisée certainement enfin, pour présenter le jeu Briscard lors de différents salons ou événements. Donc j'ai pris la peine d'envoyer donc un mail à l'un des créateurs du jeu pour lui demander s'il m'autorisait donc à recréer cette table, chose qu'il a gentiment accepté. Donc je leur remercie, merci encore. Et j'ai donc une fois avoir reçu leur mail, démarrer donc la réalisation de cette table. Mais sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour la présentation en détail. À tout de suite. On se retrouve donc pour la présentation de la table. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, cette table de jeu a été réalisée pour un jeu qui s'appelle Briscard. Briscard, c'est un jeu qui se situe dans le milieu de la piraterie. C'est un jeu d'escarmouche. Du coup, l'avantage, c'est que l'on peut jouer des factions allant de 3 à 4 figurines, ce qui est plutôt intéressant. Et c'est un jeu dont l'échelle est de 54 mm, ce qui est, à vrai dire, un peu moins courant. Donc cette table a été réalisée avec comme support des plaques servant à l'isolation des maisons, qui ont permis de concevoir le sol et les différents reliefs. Elle mesure 60 cm par 60, c'est ce qui est préconisé par les créateurs du jeu. Donc afin de réaliser les finitions de la table, j'ai utilisé donc, comme je l'ai fait pour la présentation de ma dernière vidéo sur le jeu Zombicide Black Plague, utilisé donc des moules de la gamme Isar, qui m'ont permis de réaliser les sols en pierre, mais également les murs, vous pouvez voir ici. J'ai également utilisé d'autres moules pour la réalisation des pontons, des boiseries, que vous pouvez voir là. Je vous tournerai la table tout à l'heure pour aller voir un peu plus facile, un peu plus aisément. Donc, les moules pour la partie pierre sont comme ceci. Alors, il y a différentes tailles, hein, plus ou moins grandes, pour réaliser la table en fonction des besoins. Ensuite, j'ai utilisé pour les boiseries, effectivement, différents moules également. Je vous en présente un, donc qui a permis donc de
réaliser ces planches en bois qui ont permis en fait de réaliser les colombages que l'on peut voir sur les maisons type médiévale. Je vais tourner un peu la table pour vous faire voir un petit peu les différentes parties. Donc les boiseries ont permis de réaliser ces différentes parties. Ici également, hein, qui permet une sorte de soutènement par rapport au terrain. Ensuite, j'ai également pour la partie extérieure de la table, de manière à ne pas la laisser brute, utilisé d'autres moules. Donc pour ce côté, j'ai utilisé des moules qui représentent des murs en chaux, et également des moules pour représenter les boiseries, comme je vous l'ai présenté à l'instant. Sur l'autre côté, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli, on va dire. Donc toujours le même principe, hein, avec ces murs en pierre et ces colombages. Et puis du coup, l'idée était d'insérer au milieu de tout ça une petite image donc représentant le nom du jeu, Briscard, de manière à apporter une meilleure finition. Voilà. Sur l'un des côtés de la table, on peut retrouver la mer. Donc le concept et l'idée de la table, c'était en fait sur cette zone basse, ici, on peut imaginer que lorsque la marée monte, elle vient s'engouffrer donc sur cette partie basse, et c'est pour ça que vous avez en fait des pontons. Vous avez également des parties qui sont sur pilotis bois, hein, qui sont surélevées, et du coup on peut imaginer que l'eau s'engouffre sur ces parties-là et permet aux embarcations de pouvoir accoster sur les différents pontons. Ensuite, de ce côté-là, nous avons un quai, ici, qui permet certainement de stocker différents tonneaux et autres besoins de ces pirates. Je vais essayer de déplacer la caméra pour vous montrer un petit peu le décor. Voilà. Alors, pour commencer, des décors en fait que vous pouvez retrouver donc directement sur le site du concepteur du jeu. Un ensemble de décors donc que je vais vous présenter et qui permettront d'agrémenter la table. Alors l'intérêt aussi de ces décors, c'est pas purement décoratif, puisque dans Briscard, vous pourrez utiliser l'ensemble des décors et pouvoir les lancer sur vos adversaires. Vous pourrez prendre des tonneaux, des tabourets, des caisses, des seaux d'eau, tout ce que vous aurez à portée de la main, dans la mesure où vous pouvez le soulever, vous pourrez donc l'utiliser contre vos adversaires. Donc ça a un double intérêt, effectivement l'aspect décoratif qui agrémente la table, mais aussi ça vous servira pendant vos parties peut-être pour arriver à éliminer vos adversaires en plus des coups que vous pourrez leur envoyer. Donc, premièrement, on avait un set de décor avec une table en bois. Voilà. Donc cette table, la mettre ici par exemple. Différents tabourets, hein, qui sont au nombre de 4. Que l'on pourra mettre bien évidemment autour de la table, mais à d'autres endroits en fonction de vos souhaits. Une petite caisse avec des aliments. Ensuite, il y a également une gamme avec des seaux, plus ou moins gros. Voilà, vous pourrez les mettre à différents endroits, hein. Alors moi, je les dispose un peu n'importe où, mais évident que
Pendant la partie, il sera judicieux de mettre les décors de manière à ce que les deux joueurs puissent les récupérer aisément, qu'il n'y en ait pas un qui soit avantagé par rapport à l'autre. Ensuite, un set de tonneaux, j'ai trouvé plutôt assez agréable, assez joli. Je voulais en présenter deux des trois, parce qu'il y en a un qui est un peu plus classique. On pourra les mettre donc pareil à différents endroits. Alors il y en a un qui est assez sympathique, puisqu'il y a, comme vous pouvez le voir, non, essayez de vous le montrer, voilà, une pieuvre qui sort du tonneau. C'est le côté humoristique. Voilà. Et puis un autre sur lequel vous avez une carte. Alors bien évidemment, l'ensemble de ces décors arrive brut, sont à peindre. Ils ont été peints par mes soins. Ensuite, vous avez des coffres. Donc là, notamment un coffre avec un trésor dedans, des pièces. Et bien évidemment, il y a un couvercle. On va le mettre ici, par exemple. Ça pourra servir également pour les objectifs du jeu. Une deuxième caisse, avec à l'intérieur quelques pièces de monnaie et des pistolets. Vous pourrez utiliser donc au gré de vos parties. Voilà. Et puis enfin, pour terminer, des palmiers que l'on pourra mettre sur la table, qui vont en train d'agrémenter un petit peu, donner un petit peu plus de relief à la table du jeu. Donc un premier palmier qu'on pourra placer ici. Donc vous voyez, ces palmiers sont amovibles, hein, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire souvent sur mes tables, de manière à ce que vous pouvez les enlever, parce que ça risque de se casser assez facilement si vous avez à transporter la table. Donc pas de souci, vous pouvez les mettre et les enlever comme vous le souhaitez. De même que ceux qui sont un peu plus petits, hein, vous avez des palmiers qui sont un peu plus petits. Donc ils s'enlèvent également. Même si c'est peut-être pas forcément nécessaire de les enlever, sachez que vous pouvez les ôter. Ensuite, différentes figurines. Les figurines sont les figurines du jeu. Hein. Donc avec une première faction de cochon, je dirais. Voilà. Alors les socs, ce sont les socs d'origine aussi, hein, qui sont livrés avec les figurines, donc c'est plutôt bien fini. Vous pourrez disposer sur la table à votre guise. Je vous laisse le soin, donc si ça vous intéresse, de regarder les différentes règles. Ce qu'on vous rappelle, disponible sur le site gratuitement. Une dernière de la même faction. C'est vrai que ça reste de très belles figurines et assez agréable puisqu'elles mesurent donc 54 mm. Ensuite, on a une autre faction qui ressemble un peu à des morses, que je trouve, ma foi, très jolie également. Donc deux archers. Un deuxième. Sont les mêmes, hein, mais j'ai donné une posture légèrement, enfin une posture, c'est plutôt le bras qui est fixé de manière différente, de manière à les distinguer, puisqu'ils ont chacun des cartes qui leur sont propres. Voilà. Ensuite, vous avez un chef. Voilà, et puis ils ont dans leur clan également un ours blanc, ma foi très joli. Voilà, donc ça vous les utiliserez pendant vos parties. Vous pouvez voir que, donc, comme je vous le disais, ce sont des factions qui sont assez petites.
Donc du côté des cochons, là, on pourrait très bien jouer même qu'avec trois figurines pour démarrer, c'est largement suffisant. J'en ai à présent terminé pour cette vidéo. Juste un dernier mot donc pour vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette table. Pourquoi? Bah parce que c'est une échelle de 54 mm, ce qui n'est pas courant, et du coup ça m'a permis de réaliser des décors un peu plus conséquents avec plus de détails et un visuel qui est, ma foi, plutôt très agréable. Je pense que avec les figurines qui sont plutôt très belles, la personne prendra beaucoup de plaisir à faire de nombreuses parties sur cette table. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air. Je vous remercie à tous et à bientôt.